Salut à tous, pour ce nouveau numéro, je vous emmène à la découverte de Liste Rouge. Cette entreprise taille des chemises sur mesure pour une clientèle très sélecte. Mais avant de découvrir l'usine qui se trouve à Condé-sur-Noireau, petit détour par la boutique parisienne, c'est Normand, c'est parti. Située rue Saint-Honoré, à quelques encablures de l'Élysée, ce magasin est la vitrine de Liste Rouge. Mais l'histoire de l'entreprise est ancrée ailleurs, en Normandie, à Condé-sur-Noireau. Depuis 1938, un savoir-faire unique se transmet de petite main en petite main. Dominique, toutes les informations du client se trouvent sur cette fiche? Oui, donc à partir du bon de commande et de la fiche, on a la référence des tissus, la forme des cols, des poignées. Ça commence par la découpe de chaque pièce. On commence par la découpe, donc avec un patron de base auquel on rajoute les rectifications qui nous sont demandées. D'accord. Vous avez combien de références de tissus dans cette maison? Entre 2 et 3 000 références. Et toutes sortes de tissus? Toutes sortes de tissus, principalement du coton, du cachemire, de la soie. Tous plus somptueux les uns que les autres. Voilà. Des produits haut de gamme, facturés en moyenne entre 300 et 800 euros. Le col, les poignets, chaque détail de la chemise est choisi par le client. Toutes les fantaisies sont acceptées. Ces 7 chemises vont bientôt s'envoler pour la Chine. Coût de l'opération, 7500 euros. Le résultat est assez étonnant. C'est une broderie entièrement à la main. Voilà, vous avez le nom de sa société avec un soleil de deux couleurs en rosace autour du haut central. Personne ne vous le ferait, même dans des grandes maisons, si vous le demandez, on ne vous le ferait pas. Ou peut-être en machine. Là, c'est tout à la main. Une plus-value réalisée par Kelly, la brodeuse de la maison. Des initiales ou des dessins, signes distinctifs du haut de gamme, très appréciés par cette clientèle. En 5-10 minutes, des lettres simples, ça peut être fait, quoi. Là, vu qu'il y a plusieurs lettres, je dirais un bon quart d'heure, une demi-heure, à peu près. Bonjour Jean-Luc Maniguet. Bonjour. Alors depuis la petite boutique à Flers en 1938, la maison a considérablement évolué. Oui, effectivement, elle a beaucoup évolué. On est parti d'un produit qui était un produit demi-mesure industrielle qu'on a stoppé dans les années 80 pour le transformer en un véritable produit sur mesure, jusque dans les moindres détails. Aujourd'hui, vous allez sur le haut de gamme? Oui, on est vraiment positionné sur le haut de gamme. Au travers des matières, par exemple une fibre Sea Island, une fibre coton tout à fait exceptionnelle, cultivée dans les Caraïbes de façon manuelle, qui nous produit un fil un peu exceptionnel, et donc également un tissu tout à fait particulier. Ces dernières années, Liste Rouge est devenue un concurrent direct d'Hermès ou de la maison Charvet. Une montée en gamme garantie par le travail exceptionnel de ses couturières, rémunérées un peu plus que le salaire minimum. Vous réfléchissez au décalage qu'il y a entre le prix de la chemise et le salaire des ouvrières. Oui, ça nous arrive quand même d'y penser. Qu'est-ce que ça vous inspire? On se dit qu'on aurait bien aimé gagner un peu plus cher pour, quand même, pour le produit. Vous l'avez compris, la vraie richesse de l'entreprise s'appelle Coralie, Rolande ou Thérèse, qui part après 29 ans de maison, c'est ça? C'est cela même. Il me reste à vous dire à très bientôt pour un prochain C'est Normand.